moment. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va?
nice, pretty dress. That's good. Even you. Oh, thank you. No videos. I'm trying to focus on the message. Now my mic for it to the à qui je vais demander ses impressions par rapport à la préparation de l'arrivée de sa majesté. Oui, bonsoir. Je suis le frère de Vénus. Je suis très content de l'enthousiasme que les Bouddhias montrent ici à l'aéroport à l'occasion de l'arrivée de sa majesté, notre majesté le roi Tchentcheu. Donc c'est avec véritablement beaucoup de joie que toute la communauté qui est ici va accueillir le chef qui est présent, je vous parle déjà au niveau des customs. Donc nous allons aller vers la douane là maintenant chercher à recevoir notre chef. Et pour la suite, n'est-ce pas, de l'activité de son séjour, nous aurons le temps d'en parler. Merci Monsieur le Président. Je vais continuer avec d'autres membres de l'organisation. J'ai ici Nina Mawamba et bon voilà, je corrige. Kombo. Nina, notre secrétaire général, avec Monsieur Steve Bremo. Je vais commencer par Madame la secrétaire. Quelles sont vos impressions de l'arrivée, avant l'arrivée du chef? Je suis très contente que Sa Majesté Tien Tchou Justin
vienne en visite officielle aux États-Unis et qu'il atterrisse d'abord dans le Maryland, l'engouement est vraiment au plus haut niveau. Nous sommes prêts, la communauté Fana, les médias sont là. On attend le chef de pied ferme. Merci Nina et merci pour les impressions. Monsieur Steve, à vous la parole. Nous sommes mobilisés pour recevoir, donner une réception grandiose à Sa Majesté. Nous sommes prêts pour vous sur cette question. Merci. On va aller vers les autres membres et puis on va recueillir leurs impressions également. Merci. Officiellement aux États-Unis, nous voulons avoir vos impressions. Comment est-ce que vous êtes préparé pour accueillir le chef? Merci d'abord de me passer la parole. Nous nous sommes très bien préparés. Le comité d'organisation qui a été mis sur pied a très bien tout organisé. Et selon ce que je sais, étant donné que je ne fais pas partie de ce comité d'organisation, c'est que les choses ont été parfaitement préparées. La fête sera très bonne de ce côté-ci pendant ces 10 derniers jours. Merci vivement que la fête soit merveilleuse de ce côté, comme vous le dites si bien. Nous espérons que vous allez mobiliser non seulement la diaspora Fomopia, mais la diaspora camerounaise en général et vos amis américains en même temps pour cet événement que nous prévoyons aussi le 15 en grande pompe après le séjour du chef dans le Canada. Donc nous sommes préparés et nous voulons que tout le monde mette la main à la pâte pour que le séjour du chef soit marqué d'un emprunt particulier. Je vais tout de suite vers notre reine mère. Je vais vers notre reine mère et puis je vais vous poser la question de savoir comment est-ce que vous vous sentez à l'heure actuelle que le chef est actuellement au service des bois pour faire sa sortie. Nous attendons toujours le rang du vin de notre chef. Nous sommes assez préparés. Nous devons juste en pour nous d'accueillir notre chef. Nous l'attendons, nous sommes prêts. Merci Maman Berthe Mawamba et nous sommes prêts et on attend avec merci pour vos propos et vos avis. Officiellement aux États-Unis, nous voulons avoir vos impressions. Comment est-ce que vous êtes préparé pour accueillir le chef? Merci d'abord de me passer la parole. Nous nous sommes très bien préparés. Le comité d'organisation qui a été mis sur pied a très bien tout organisé. Et selon ce que je sais, étant donné que je ne fais pas partie de ce comité d'organisation, c'est que les choses ont été parfaitement préparées. La fête sera très bonne de ce côté-ci pendant ces 10 derniers jours. Merci vivement que la fête soit merveilleuse de ce côté, comme vous le dites si bien. Nous espérons que vous allez mobiliser non seulement la diaspora Fomopia, mais la diaspora camerounaise en général et vos amis américains en même temps pour cet événement que nous prévoyons aussi le 15 en grande pompe après le séjour du chef dans le Canada. Donc nous sommes préparés et nous voulons que tout le monde mette la main à la pâte pour que le séjour du chef soit marqué d'un emprunt particulier. Je vais tout de suite vers notre reine mère. Je vais vers notre reine mère et puis je vais vous poser la question de savoir comment est-ce que vous vous sentez à l'heure actuelle que le chef est actuellement au service des bois pour faire sa sortie. Nous attendons toujours le rang du vin de notre chef. Nous sommes assez préparés. Nous devons juste en pour nous d'accueillir notre chef. Nous l'attendons, nous sommes prêts. Merci Maman Berthe Mawamba et nous sommes prêts et on attend avec merci pour vos propos et vos How do you feel with the chef, with the chief coming to see us in Washington? Look at the camera and give them your impression. Feel a little bit good? Are you excited? Yes. Good. How about you? Are you excited? Yeah, I'm excited. Okay, thank you. How do you feel with the king coming to see us? Happy. If you're happy, say happy. Very happy? How about you?
Happy, good. Hey, how are you? Good? Do you know what you're doing here? Okay. The king is coming. How do you feel about it? Feel good? That's great. Souhaitons la bienvenue sur le sol américain officiellement. Merci pour cet accueil. Toutes les familles qui sont déplacées pour venir m'accueillir. Merci pour les notables de votre place qui sont déplacées. Merci pour les enfants. Merci pour les mamans qui sont là. Et vous savez, c'est tout avec beaucoup de plaisir. Thank you.
Yeah.
Femme. Hey, on didn't know what you meant. Merci beaucoup. Fou, Osejo, Oseina, Gélo, Messol, Modena, de ma communauté, Fomoké aux États-Unis, à la côte Est. Nous te souhaitons la bienvenue autour de nous. Et en te souhaitant la bienvenue autour de nous, nous souhaitons aussi que tout ton séjour sur le sol américain, l'espace, soit très bien, soit formidable. Quoi. Et que tout ce que tu es venu entreprendre ici, que ça marche bien. Nous, toute la grande communauté, déjà au niveau de l'Est, nous sommes assez galvanisés, n'est-ce pas, pour nous donnons soutien à 100%, j'allais à 200%, n'est-ce pas, par rapport à ta visite ici. Et nous aimerons que ce soit couronné de succès. Bon, ce soir, c'est juste le départ. Et après ce lancement, nous aimerons que tout le reste du séjour aille, n'est-ce pas, positivement, quoi. Donc, devant tout ça, mesdames, le seul mot que je dois dire maintenant, c'est vraiment sois la bienvenue parmi nous et vraiment que ton séjour se passe très bien. C'est le message que mes frères et tout le monde et nos enfants m'ont chargé, n'est-ce pas, de te porter ce soir. Au Seigneur. Merci. Merci. Je ne sais pas loin de chez ton bouche à l'IA là. Je n'ai pas un veillé. Je me connais un peu sans école. À ton bon. Je ne me connais pas ton bon. Je me connais pas. Je ne sais pas là. Je ne sais pas si tu es à chute. Je ne sais pas à quel isola. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Oui, tu y es, tu me fais me baiser dans un jour. Ma peur à lui me fout.
Suzanne here. I could tell you, I have such shit, has such shit, and you know. This all has such shit at the door. Okay, Papundu, Lala. Papundu, Lala, what happens when you happen to do our France? Let me put the bullet, you're me to get up. Brèche est un coup États-Unis. Je suis un peu d'affaires à l'aéroport, je suis un peu d'affaires à l'aéroport, je suis accueilli, je suis un peu beaucoup. Je suis un peu d'affaires à l'aéroport, je suis États-Unis, assez souvent. Je n'ai pas bien accueilli à l'aéroport. Je suis un peu d'affaires à l'aéroport, je suis un peu d'affaires à l'aéroport. Je suis un peu d'affaires à l'aéroport. Sans la vie au gain, on a pu me dégager chez chef. Je remercie la communauté pour mon père, la côte Est, parce que j'ai vécu à bien du France entre la côte Est et les autres, pour l'accueil depuis tout à l'heure à l'aéroport, et encore ici au domicile. Je disais en patois que le fait d'impliquer les enfants dans tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est une transmission de relais. C'est pour montrer aux enfants qu'au-delà de là où nous sommes, qu'au-delà de ce que nous sommes devenus là où nous sommes, il y a nos origines, il y a nos coutumes. Et aujourd'hui, malgré les changements, ces coutumes sont portées par les chefs. Et transmettre cette information aux enfants, c'est très bien. C'est préparer l'avenir. Et là-dessus, je ne peux que vous remercier et vous encourager. Je remercie aussi les amis. Parce que j'ai dit en patois que les Fomopéens ont une obligation morale de venir m'accueillir. On appelle ça en patois « do ». On ne peut pas aller en thème de « Mais les amis viennent traduire la façon dont vous vivez en Amérique, traduire pour ceux qui sont de l'ouest du Cameroun l'importance aussi qu'ils accordent à la notion de chefferie et à notre culture. Pour ceux qui ne sont pas de l'ouest du Cameroun ou qui ne sont pas du Cameroun comme notre ami togolais, je pense que ce n'est pas très différent de ce que j'ai vu au Togo. Et j'apprécie la tenue, ouais. Il est où? J'apprécie la tenue qui reste ici comme ça. À nos mamans qui viennent nous encadrer, je dis encore merci. Parce que quand elles sont là, je suis sûr qu'il y a un petit quelque chose de plus qui va se passer par rapport à l'accueil. Vraiment, je ne peux que vous remercier. Si je traîne trop avec la parole, peut-être la nourriture qu'on a commencé va. Par ici, là, on n'aime pas manger froid, donc. Sachez. Léa. Merci. Merci.
mettons-nous en présence du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous attendons encore beaucoup de toi. Et nous savons que, quel que soit ce que nous demandons, nous pouvons l'avoir de toi. Peu importe la grandeur, la hauteur, la dimension. Quand on te le demande, tu nous l'offres, tu nous le donnes. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir amené le chef jusqu'à nous. Et nous prions pour que, afin que, à travers le chef, que ce séjour soit un séjour d'enseignement. Un séjour d'enseignement, parce que le chef représente notre culture, représente tout ce que nous avons d'important. Et je sais que quand il partira, il laissera beaucoup de connaissances avec nous et les enfants. Comme on a dit tout à l'heure, tout le monde a participé, même jusqu'au plus jeune. Et c'est ainsi important, une façon de transmettre nos enseignements à ces enfants qui sont le futur. Seigneur, bénis le séjour du chef. Qu'il soit un séjour plein de fruits, plein de nouvelles choses, plein d'enseignements, plein de projets. Seigneur, bénis cette maison où nous l'accueillons ce soir. Bénis chaque famille ici présente. Que chacun qui est venu pour accueillir le chef reparte sain et sauf. Et avec toute la bénédiction que le chef pourra amener ce soir. Seigneur, bénis le repas qu'on va manger ce soir. Et par la même occasion, donne à ceux et aux familles qui n'en ont pas. Ceci au nom de Jésus, notre Père. Amen.